Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est l'édition Chita Tant de Nouvelles, ça, qui entre la caillou. Moi, c'est mettre info, quel que soit côté branché. Nous disons bienvenue sur le canal Information sans fausse côté. Nous sommes toujours contents, amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter l'édition Nouvelle Paola. Opération, la police était déclenchée depuis jeudi pour être capable d'arrêter Jimmy Cherizier, chef gang G9 là. Et donc, barbecue, peut-être, d'après ça, la police fait connaître, c'est lui-même qui t'a touillé. Donc, policier, l'image Gasley. Donc, il dit, c'est monsieur qui touillait citoyen ça. Donc, c'est pour ça, la police l'a guédé. Et directeur général PNH là fait connaître, eh bien, l'a mis pied à terre. Donc, pour neutraliser toute gang armée qui a simé des ordres dans le pays, d'après ça, le fait connaître. Journée vendredi. L'autre information gagnée, bien gros scène pillage qui accompagnait question gang armée eux-mêmes, disons, de commencé déclencher journée vendredi dans toute zone Badelma, et Delma 2, Delma 6, côté business qui est des gros business. Gagné tout, et bien, et marché Titoni, et bien, monsieur pillé côté, c'est Yon Pigou. Pour les magasins produits alimentaires qui gagnent dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Nous gagnons propriétaire marché ça, Anthony Bennett, homme d'affaires Anthony Bennett, monsieur, fait qu'on est dans un tweet, eh bien, pillage ça, pas de décourager pour faire pas continuer à investir dans le pays d'Haïti. L'autre information, gagné pasteur Enoch Joseph, toujours sous question pillage qui fait dans la zone, non, eh bien, gang Améo Cap. Théoriser population dans la cité soleil là, il fait qu'on est population cité soleil là à vivre une catastrophe et qu'elle mandé autorité pour intervenir pour qu'ils soient capables d'aider population ça gang à terroriser depuis plusieurs mois. Gagné 12 qualités variants COVID-19 souterrains dans le pays d'Haïti qui a l'ouvri col, qui a gaé col, qui a taille bandana dans le pays d'Haïti d'après ancien député Sinal Bertrand, donc ancien député dans 50e législature Sinal Bertrand, donc qui lui-même dit eh bien gagné parmi variants ça a gagné deux variants anglais avec 10 variants qui sorti dans pays Brésil. Donc ancien député Sinal Bertrand mandé gouvernement eh bien pour que li utilise 40 millions de dollars la gaspiller dans faire référendum qui pas utile peuple à rien d'après ça le fait qu'on est. Eh bien, pour que l'État capable de subventionner et quantité question soins, quantité l'argent, donc 35 000 gouttes soins pour un seul patient COVID-19 coûté dans un hôpital et privé pour une journée. Amis téléspectateurs, et nous toujours contents, rejoignez-nous pour nous présenter l'édition Nouvelle ça, nous préparer pour vous. Donc, Jean nous annoncé au lit, gagné opération. La police était en main depuis journée jeudi à nos zones Badelma, Delma 2, Delma 4, Delma 6, pour que tu es capable d'arrêter chef gang G9 en famille et alliés, et barbecue Jimmy Cherizier, ancien policier. Donc, d'après information, la police est publiée. Donc, comme quoi. Eh bien, c'est chef gang G9 là, Jimmy Cherizier, qui était touillé, jeune policier, agent Simo, l'image Gasley, jeudi soir, dans la zone Badelma, dans une patrouille avec une balle dans la tête. Donc, tu as gagné une grosse scène pillage, journée vendredi et même journée samedi qui était continué, dans la zone station Gonaïve, côté yon pillé, donc plusieurs. Gros magasin et produits alimentaires dans la zone ça, parmi eux, marché Titoni, qui lui-même, c'est un plus gros magasin produits alimentaires qui gagne dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Donc, Titoni, donc Anthony Bennett, alias Titoni, donc, dans un tweet, il fait, il déclaré, eh bien, et pillage ça, eh bien, pas empêcher, li, pas décourager pour que li continue à investir dans le pays d'Haïti. Donc, il y a un scène pillage qui était continué à faire, je ne samedi, dans plusieurs autres business, dans la zone Badelma, tant que, eh bien, maison Mazda, maison auto Mazda.
Gagné dans zone station Gonaïve là tout plusieurs l'autre business et eh bien zone ça gang Genève là lui-même li contrôlé d'après pasteur Enoch Joseph. Yon leader communautaire dans Cité Soleil qui lui-même fait connait situation population Cité Soleil là li catastrophique à cause gang armé qui terrorisé depuis plusieurs mois. Donc pasteur Enoch Joseph t'a intervenu dans le micro et concernant radio télévision Kiskeya, c'était dans le micro confrère nous Hervé Noël. Toujours bien des vandales qui fait pillage, il y a beaucoup de choses dans le complexe citoyen, très bon lourd à la tour, lourd à Giovanni, dans le château, et puis nous avons beaucoup de choses qui ont été vendues. C'est ça qui est passé là pour moi. En total, combien de business ont crasé, ont pillé dans ce soleil? Mais il se passe ça, côté Tony, c'est là. Il y a une information qui ont crasé. Et tout est un bagage de top, mon côté le peuple, quand il mourra, dans la zone, ça a été passé. Je donne même pas d'information de l'autre côté, dans l'autre business qui te pourrait. Qui crée notre trois cités solaires, la zone d'aviation à tribunal. Donc c'est même jeunesse qui crée business, c'est même jeunesse qui fait attaque ça ailleurs. Alors c'est eux-mêmes que lui parce que zone ça c'est eux-mêmes qui contrôlent. Zone de station de Haïti, zone ça c'est eux qui contrôlent jusqu'à aviation. Et si les bars écrasent dans une zone, et j'ai beaucoup qui les amènent à eux qui font ça. Tout à l'heure, la police qui doit faire, la police va sur place. Et depuis pour de 11 semaines, hier c'était 11 semaines exactement, et 33 c'était sur la cabine de la police. Ça fait 2 semaines depuis, ça se verra avec les grands-mères, ils étaient tout plein de policiers qui ont fait un coup, ils ont dit de prendre balle, et puis ils étaient prêts à mieux parce que c'est comme une mission. Je pense que là, pas une poste possible là. Même si d'avoir quelques bonnes sécurité qui t'a dans l'espace que vous avez été bon, parce que les puissances de choses à appuyer, nous qui sont rien. Même tourner le quotidien à Cité Soleil, rarement pas bien tir. Toujours bien des tirs qu'à faire, soit des affrontements qui fait une montée qu'à l'autre, ok? Mais le plus souvent, c'est en bas qui monte en haut, et rarement qui est en haut descend en bas, mais en haut appuyer sur en bas, soit le niveau qui n'a pas de balles en bas, mais quelques jours là, il n'y a pas de contrôle de qui n'est encore. C'est nous, il y a plein de mais ça m'a besoin d'attirer attention et tout le monde qui a suivi l'événement ça, l'événement sanglant ça, l'événement macabre ça, autre pays. Et dans l'attirer attention, ce monde qui puisse faire mieux, par exemple, nous pour agir, une femme ceinture, même si on ne peut pas défendre rien pour une jeune monde qui est entre 30 et 60 et 50. 55-60, mais au moins, nous qui agissons, nous avons une intervention pour nous. Si on ne peut pas faire rien pour nous, au moins, nous allons nous déplacer. Parce que nous, même si nous ne pouvons pas prendre une balle, mais nous, quand même, nous avons une médaille de notre situation sanitaire en zone nord, et puis par rapport avec la COVID, nous ne pouvons pas être tout le monde dans le masque qui est pour la COVID. C'est tout le monde qui est pour la COVID. Mais dans pire, le monde qui a le COVID qui a développé, même si nous n'avons pas mis de moyens pour le faire, bien sûr, mais nous avons fait des concrètes, nous avons fait mal, nous n'avons pas pris la santé, nous n'avons pas pris le goût, nous avons la fièvre, nous avons la grippe. Bon, ça aussi, c'est tout le monde. Nous avons des cachalots en plus. Nous avons dit, c'est ça au moins pour nous avancer. Nous avons des victimes, nous avons des gens qui prennent balle. Ce sont des attaques qui ont été ciblées sur des choucailles. Nous avons des gens qui prennent balle dans ça. Situation pays d'Haïti a grave en pile, donc c'est insécurité tout partout dans tout domaine. Donc en plus c'est de gangs armés qui ont même a fait la loi tout partout dans le pays d'Haïti. C'est COVID-19 là lui-même qui a bouleversé peuple haïtien. D'après ancien député Sinal Bertrand, ancien président commission santé dans chambre députée à 50e législature, gagné actuellement 12 variants COVID-19 qui a taillé banda dans le pays d'Haïti. Donc, gagné parmi eux 2 variants anglais avec 10 variants qui sortent dans le pays Brésil. Ancien député Sinal Bertrand félicité Tetli pour tête ministère Santé publique et mette prend en compte quelques recommandations qu'il était fait. Cependant, il déplorait gros quantité d'argent, 35 000 gourdes, qui c'est quantité cob, eh bien, pour yon moun qui atteint COVID-19, joindre soin pendant yon journée dans yon hôpital privé dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Donc, Sinal Bertrand, lui-même, lui mandé l'État pour
investi 40 millions de dollars l'a gaspillé dans la question faire référendum nan, une façon pour le capable baisser coût quantité l'argent et bien soin pour COVID-19 pour une journée soin dans l'hôpital privé côté un patient. Donc nous invitons côté déclaration député ancien député Sinal Bertrand. Nous avons fait des propositions concernant des variants qui étaient supposés qui existaient, notamment des ministères de santé publique pour nous faire un double check. Ce que nous faisons, résultat est venu à 90%. Nous avons des 10 variants brésiliens sous sol haïtien. Nous avons environ 2 variants britanniques. En général, des 12 variants. Nous avons parlé de AstraZeneca. Côté un peu de monde qui a dit moins osé, est-ce que nous avons touché? Eh bien, je vous dis à AstraZeneca sorti une note pour les bonnes raisons. Pour montrer inefficacité la population, il faut que les gens qui défendent, il faut que les gens qui prennent. Je pense que nous avons fait l'autre proposition, je ne veux dire, qui va tellement long. Nous connaissons des variants, effectivement, qui sont variants brésiliens, variants britanniques ou bien anglais. Un beaucoup de chapeau pour le directeur général, là, qui n'a pas serré l'information sur toi, l'obligé de faire pas de quelques informations pour protéger la population. Il faut un beaucoup de chapeau pour l'hôpital privé commencer à accepter de cas coronavirus. Cependant, là, en charge dans l'hôpital privé, la couteau 35 000 gouttes par jour. Ça veut tout faire 10 jours, la couteau 350 000 gouttes pour tout le monde qui est entré dans l'hôpital. Ça. On a fait une proposition à ministère de la Santé publique pour nous avoir une centrale générateur d'oxygène, un centre national qui a généré bagage d'oxygène, qui a coûté environ 2 millions de dollars. UNICEF seulement, selon contact nous avec international, là, nous connaissons UNICEF prêt pour bailler 1,5 million pour qu'ils aillent l'État, pas pour arriver sur UNICEF. Ou cherche un local pour au moins une centrale générateur d'oxygène. Il parle il l'hôpital privé, il parle il plus toujours la population. Non seulement pour alimenter l'hôpital public, je ne fais pour car je ne fais pour plateau central, mais on va l'obliger à bailler tout l'hôpital qui recevoir car coronavirus, on va bailler le gratis. Laisse la population bénéficier. Concernant la prise en charge pour l'autre champ, il y a un paquet d'institutions qui va être pour faire test. Moi, je pense qu'il y a des faux négatifs. Je ne veux dire nous penser le ministère de la Santé publique. Pas contrôler tout ça qu'il va être droit fait test. Soit par mon oxygène, ou bien plus leadership pour qu'il y ait bonne information. C'est vrai, le laboratoire national fait un grand effort pour n'y avoir pas testé mon cas parti seulement, pour tester mon malade. Ça veut dire augmentation de cas positifs dans le jeune journée. Je dis à AstraZeneca que nous guérissons, que nous défait des propositions à l'État haïtien. Côté normalement, c'est AstraZeneca qui est à l'école, mais je veux dire à nous demander, dans l'agence, il y a mettez pour référendum criminel là, que vous prenez pour entrer dans la sensibilisation et prévention. Et bien, nous avons demandé 3 propositions à eux pour le ministère de la Santé publique, tenu compte de eux, même s'ils sont membres de l'opposition qui a bali, mais nous connaissons plus près, nous plus de proximité avec la population. Sont-ils pour nous bailler aujourd'hui, dans la prise en charge, ça va dépendre de qui pays. Par exemple, si nous prenons un voisin, nous utilisons Ivermectina en pile dans la prise en charge. Nous-mêmes, moi ici, nous utilisons Azithromycine. Des fois, c'est un traitement symptomatique. De se présenter, c'est sous ça. Toujours information qui a rapport avec question COVID-19 dans le pays d'Haïti. L'église catholique d'Haïti plongée une autre fois encore dans le deuil. Révérend Père Monterland Mathieu, directeur Caritas dans le diocèse Okaï, mouri journée vendredi en bas COVID-19 à cause li te gagne une grosse difficulté pour te respirer. Président la Cour cassation avec qui c'est en même temps président et conseil supérieur pouvoir judiciaire maître René Sylvestre, ben monsieur lui-même là il testé positif à COVID-19. Donc état santé juge René Sylvestre t'a semblé à détériorer et donc côté la recevoir soins dans un hôpital dans capitale là d'après information qui arrivait dans rédaction nous. L'autre information gagnée, Premier ministre de facto AIA, Claude Joseph, qui lui-même est intervenu devant le Conseil de sécurité des Nations Unies jeudi sous crise du pays d'Haïti. Donc, le fait qu'on ait, il réitéré une autre fois encore, volonté, il dit, chef de l'État, et de facto, Jovenel Moïse, qui est patron, eh bien, volonté, il gagne pour organiser le référendum constitutionnel LIA dans le pays d'Haïti. Donc monsieur Claude Joseph donc annoncé publication dans jour cap vignola un nouveau calendrier conseil électoral provisoire qui gagne
Donc, différents secteurs dans la vie nationale là qui vont le jeter. Donc, il y a bien pour publier une nouvelle date donc pour réaliser référendum. Yo annoncé à Claude Joseph. Donc, préciser, gouvernement là mettait machine électorale là, machine conseil électoral là en branle pour réaliser élection dans tout niveau. Dans le pays d'Haïti, donc pendant li, eh bien, rappelé avec bailleurs internationaux coopérant Haïti, qui a coopéré avec lui dans la question élection pour respecter, eh bien, promesse yo fait dans affaire aide pour réaliser élection. Yo nous invitons à écouter déclaration Claude Joseph. La situation politique que connaît Haïti depuis plus de 2 ans est on ne peut plus préoccupante. L'instabilité politique récurrente, alimentée par la charte fondamentale de 1987, complètement en déphasage par rapport aux réalités historiques et socioculturelles du pays, le comité consultatif indépendant s'est bien acquitté de sa tâche, ce malgré vents et marées. Des rencontres ont été organisées à travers les 10 départements du pays. Il s'agissait de recueillir des suggestions complémentaires de la société avant de produire un texte consensuel à soumettre à la sanction du peuple. Une nouvelle date pour la tenue du scrutin référendaire sera communiquée sous peu par le Conseil électoral provisoire. Entre-temps, nous mettons des bouchées doubles pour faire avancer le processus électoral qui est irréversible. Le président de la République et le gouvernement dans son ensemble s'y engagent profondément et résolument. Il ne faut surtout pas qu'il y ait un quelconque prétexte à l'interruption du processus électoral, ce qui serait un coup dur pour Haïti et le peuple haïtien, plus particulièrement pour la démocratie, l'état de droit et la stabilité politique. En ce qui a trait à l'organisation des prochaines élections, je suis en mesure de vous garantir qu'il n'y a aucun souci à se faire, mis à part certains problèmes logistiques et la question cruciale de la sécurité qui sont sur le point d'être adressés dans tous leurs aspects. Sur le plan organisationnel à proprement parler, le Conseil électoral provisoire a déjà mis en branle l'essentiel de la machine relative à l'organisation des jeux électoraux. Sur le plan financier, le Conseil électoral provisoire a élaboré et soumis le budget relatif à l'organisation du référendum et des élections. Sur cette base, depuis le 21 janvier 2021, le gouvernement haïtien a signé avec le programme des Nations Unies pour le développement un accord sur la réactivation du basket fund qui a été alimenté à plusieurs reprises à partir des ressources du trésor public. Nous nous attendons seulement à ce que nos partenaires internationaux tiennent leurs promesses d'appui financier estimées à plus de 17 millions de dollars. En ce qui concerne les questions logistiques, le Conseil électoral provisoire travaille en étroite collaboration avec le PNUD et l'UNOS. Les sites de stockage des matériels, 12 au total sur toute l'étendue du territoire national, ont été identifiés dans un plan de déploiement défini. Le président Jovenel Moïse a décrété l'année 2021, année électorale. Fidèle à son engagement et à ses promesses, il a tout mis en œuvre pour faciliter l'organisation des élections au cours de l'année. La machine électorale est en marche. Le Conseil électoral provisoire a les moyens dont il a besoin et le processus électoral suit son cours normal. Voulant absolument que le processus soit le plus inclusif, le plus transparent et le plus participatif que possible, le chef de l'État continue d'inviter toutes les branches de l'opposition politique à la table du dialogue et de la concertation en vue de la réalisation d'un compromis historique qui devra accoucher d'un gouvernement d'union nationale incluant toutes les tendances. Le renouvellement de mon mandat à la tête d'un gouvernement ad intérim est un puissant témoignage de l'ouverture du président de la République. Contrairement à ce que pensent certains de mes amis de l'opposition, la voie de la transition est la voie à éviter pour Haïti. Toujours information qui a rapport avec question insécurité, référendum, élection qui a programmé dans le pays d'Haïti. Gagné M. Chantal Udiko Ivald, donc avocat à Nambaro Port-au-Prince, ancien membre Assemblée constituante haïtienne 1986-1987. Chantal Udiko Ivald, donc lui-même a intervenu dans le Conseil de sécurité Nations Unies jeudi, donc par visioconférence. Donc, lui est donc indiqué clairement donc et contexte sociopolitique pays d'Haïti à vivre donc les difficiles en pile et même impossible donc pour réaliser élection dans pays d'Haïti à cause gang améo qui achetait pays d'Haïti l'argent comptant. Donc avocat présenté un tableau très sombre sous situation sécurité donc dans pays d'Haïti donc qui donc caractérisé par question kidnapping, assassinat, violence, violation systématique droit monde sous toute forme.
Donc, d'après M. Udicour, donc c'est habitants dans le quartier populaire qui sont principales victimes de violence avec ça, qui ont exercé sous population. Et c'est toute raison ça, mais élection pas possible dans le pays d'Haïti tant que conditions eux-mêmes n'ont pas réuni. Nous invitons à écouter déclaration M. Chantal Udicour Ivald. Le contexte sociopolitique actuel rend très difficile, pour ne pas dire impossible, la mobilisation de la population pour sa participation à un quelconque processus électoral. La première préoccupation de la population, majoritairement pauvre, est de satisfaire ses besoins primaires et ceux de sa famille. Elle vit dans la précarité financière et sécuritaire. Les gangs font la loi. Kidnapping, vol, viol, crime nous menacent tous. Nul n'est exempt. Les habitants des quartiers défavorisés, à forte densité de population, sont les principales victimes. Ces agglomérations se retrouvent surtout le long de la côte ouest de la ville de Port-au-Prince et dans les collines proches d'elle. Les sorties sud, nord et est de Port-au-Prince sont sous le contrôle de bandes armées. La vallée de l'Artibonite, importante zone agricole du pays, vit sous la menace de bandes armées depuis plus de 2 ans. Le moniteur spécial numéro 18 du 18 mars, numéro 2021, instaure l'état d'urgence dans les zones de Village de Dieu, Grand Ravine, Delma, Savien, qui sont dans la zone de Port-au-Prince, et Petite Rivière de l'Artibonite. L'insécurité et la violence perturbent les déplacements entre les différents quartiers de Port-au-Prince et entre Port-au-Prince et les autres villes. L'accès aux lieux de travail est un risque quotidien pour les employés. Les entreprises sont parfois forcées de fermer leurs portes à cause de l'action des gangs. Le palais de justice de Port-au-Prince, capitale d'Haïti, est situé dans une zone dangereuse, limitrophe au quartier contrôlé par des gangs lourdement armés. Malgré les demandes réitérées du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince et du personnel judiciaire, le gouvernement n'a pas accepté de le relocaliser sans pouvoir en assurer effectivement la sécurité. Ces derniers mois, la guerre des gangs dans la commune de Cité-Soleil et à Martissant a fait de nombreux morts et blessés. Deux élèves d'une classe terminale de la même école de Cité-Soleil ont été abattus en l'espace d'une semaine. Les populations ont dû fuir leur domicile. Les cadavres ne sont pas dénombrés. Souvent, un cadavre retrouvé est enterré sur place sur ordre des autorités appelées à en faire le constat. Quand elles se présentent ou peuvent se présenter sur les lieux. Les gangs sont bien ravitaillés en armes lourdes et munitions dans un pays, en principe, sous embargo d'armes à feu. La police semble totalement impuissante. Les photos des affrontements et les cris de victoire des gangs circulent sur les réseaux sociaux. À ce tableau d'insécurité généralisée est venu s'ajouter dans les derniers jours du mois d'avril 2021 une résurgence de l'épidémie de COVID-19 sous une forme beaucoup plus violente et virulente. En conclusion, la confiance dans les instances étatiques et dans la classe politique n'existe pas. La population ne croit pas dans la volonté et la capacité des responsables pour combattre l'insécurité. Le souci actuel de l'Haïtien est d'assurer la survie et la protection de sa famille. Les gens ont peur. Malgré ce contexte difficile, la solidarité existe en Haïti. Conscient de la faiblesse chronique de l'État, la société civile, chacun selon ses possibilités, apporte son support aux centres de soins et aux populations déplacées. Le pays est aux abois. Dossier enquête sous assassinat qui était fait sous ancien bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince, M. Montferrier Dorval, juge Renaud Régis, cap traité dossier enquête sous assassinat sous M. Montferrier Dorval là. Donc, a fait face avec gros difficultés pour le mener, disons, instruction dossier A comme ça doit. Donc, direction logistique police nationale d'Haïti a qui semblait avoir l'ordre nommé directeur général à IPNH là, Léon Charles. D'après ça, juge Renaud Régis fait connaître dans une lettre li écrit voye bay CSPJA. Donc, li fait le connaître, mais direction logistique PNH là confisqué toutes armes qui étaient nommées agent sécurité Lio, disons, pour qui lui-même était attaché à service sécurité pour être capable de mener dossier si là. Donc, ça qui mettait juge Renaud Régis dans une insécurité totale pour avancer avec enquête sous dossier assassinat qui était fait sous M. Montferrier Dorval. Donc, il y a plusieurs organisations droit monde avec personnalité dans la société civile là qui dénonçaient. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Bedford Claude, il dit qu'il bloquait dossier M. Montferrier Dorval là parce qu'il refusait pour le faire suivi. Et donc, pour la justice, capable d'attendre plusieurs groupes personnalités. Donc, la justice relaie dans le dossier ça parmi eux.
Madame Président Jovenel Moïse, qui c'est Martine Moïse, avec Guichard Doré, qui c'est Yon nan même cabinet président. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous campé accession information ça. Nous remercions pour écouter votre attention. C'était amis ou frères Mette Info qui t'observe. Nous casser rendez-vous demain. Même le à même chaîne, non? Si papa bon Dieu content. À bientôt.